Yo mes chers Mondigascu, c'est Oxenum, comment êtes-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2018 et aussi l'épisode 5 de Road to Division 1. Alors là il me reste 2 matchs et puis je monte en Division 10 vu que j'ai validé la montée. C'est plutôt une bonne chose. Là j'ai fait 3 victoires, 2 défaites, 3 défaites, non, attendez, excusez-moi, je vais recommencer. 3 victoires, 3 défaites et 2 nuls. Donc automatiquement si je fais des nuls ou des défaites ça change rien. Mais cette fois-ci j'aimerais bien gagner. Après la vidéo précédente où j'ai fait 3 matchs catastrophiques, j'étais dégoûté. Donc voilà, j'ai tout dit et on est parti. Et je vais jouer avec je joue avec qui, parce qu'il y a tellement d'équipes. Histoire de changer un petit peu les plaisirs. Ouais, allez, allons en AFC Champions League. Je vais jouer avec. Ah, y'a pas d'équipage japonaise? Ah oui, c'est vrai, il est dans le patch. Malheureusement. Bon, tant pis, c'est pas grave. Excusez-moi si je prends du temps. C'est pas évident. Bon allez, je vais aller en Espagne et je vais prendre le Real de Madrid. Et puis bah on se dit à tout de suite pour le premier match, le temps que je recherche les adversaires et le temps que je fasse ma compo. A tout de suite mes chers Mungaski. Voici le premier match. C'est bah voilà, Real contre Real. Et puis j'ai mis les commentateurs en anglais au passage et puis voilà, c'est parti pour le 30 minutes. Non. Wouah, on tire un but, mais c'est pas possible, ça commence pas, c'est pas possible, déjà 0 pour lui. Oh non, mais améliore-toi. Non. Wouah, 2 tirs de but, c'est pas possible, mais regarde. Putain, mais regarde l'erreur défensive, c'est pas possible. Arrête, 2 buts en 2 tirs, s'il te plaît. Ouais, voilà, je la mets pas. Mais non, bah regarde, c'est quoi cette chance. Wouah, mais non. Non, regarde. Et, non, mais franchement, ça aurait été lui, les aurait mis facile. Non. Wouah, c'est pas possible, je sais quoi, je quitte ou quoi? Je le prends comment, regarde. Non, mais regarde, 3 tirs, 3 buts. Il fait rien du match. Oh non, vas-y, regarde, non, mais. Eh, vas-y, je m'en reprends. Non, franchement, je m'en reprends, je kick, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est pas possible. Et pourquoi il fait pour? Non. Mais non, d'où y'a faute? Ah, vas-y, c'est bon, je quitte, c'est bon. Bon, bah voilà, j'ai quitté ce putain de match de mes couilles là. Hein, parce que 4-0 en petit, faut pas déconner non plus. Attends, attendez. Bordel, mes joueurs ils font des passes de merde. Bon après voilà, c'est un peu ma faute aussi. Parce que voilà, à chaque fois que j'en dis des... Bon, bah voilà, j'ai dû quitter le match parce que 4-0 en petit, c'est du foutage de gueule. Ça vaut pas la peine d'y rester. Parce que franchement, faut pas déconner quand même. A chaque fois que je dis à mes joueurs de faire une bonne passe, ils font de la merde, ils les font à n'importe qui, du coup ça coûte des erreurs défensives. Bon, bah voilà, j'ai dû quitter ce foutu match de mes couilles là. Se prendre 4-0 en petit, c'est un peu du foutage de gueule. Puis aussi mes joueurs, je leur dis de faire des passes plus précises, mieux que ça. Et aux joueurs démarqués, bah, comme par hasard, ils les font à n'importe qui. Du coup, bah ça coûte des buts bêtes. Voilà, erreur défensive. Et en petit tir, quoi. 3 tirs, 3 buts.
Et puis après, bah, il a fait son capture. Donc, désolé pour Rage Quit, hein. Parce que voilà, j'en avais marre. Donc, voilà le dernier match. Et puis, je vais prendre... Tottenham. Allez, j'espère que ça va pas être n'importe quoi dans le match, hein, parce que... Et j'espère une victoire aussi, parce que... Ouais, ces derniers temps là, défaite nulle. Ça va plus. Bon, bah on se dit à tout de suite pour le deuxième et dernier match de la série avant la Division 10. Bon, voici le deuxième et dernier match. Et puis je joue encore une fois contre le Real Madrid, deux fois de suite durant la vidéo, et puis trois fois de suite en toute vidéo confondue. Voilà. Ah non, pas trois fois de suite, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, durant toute les vidéos confondues, j'ai dû jouer trois fois. Et pas de suite. Voilà. Donc, on est parti pour la 90e minute. Danny Rose goes looking. Kane passes it through. Son Heung-min. Allez, allez, sac à fouille. Allez, allez, allez. Putain. C'est pour la mienne, celle-là. Allez. Ah, dommage. Oh non, mais ça commence déjà. Un tir, un but. Ça commence. Il a rien fait du match, me prend un but. Oh, y a personne qui suit. Oh, putain. Et les milieux, faut suivre l'attaquant, putain. Allez. Ah, ah. Attention. Oh, allez, bougez-vous le cul, putain. Non, pas comme ça, putain. Plus fort. Non, il va la mettre. Allez, 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 allez. Allez, Lloris. Oh, putain, il a fait. Je sais pas. Oui. Oui, c'est ça. Bien joué. Enfin, putain. Bien joué, Rikane. Pour la mec, là. Non. Il la met. Mais non, mais c'est pas possible. Mais je suis vraiment poisseux. Non, mais c'est con que je gagne un match, là. Oui, jamais. Non, dommage. Allez, Kane. Oh, Kane, putain, jamais. Non. Allez, légalisation. Oui, oh putain. Allez, encore une nouvelle défaite, c'est bon, ça me casse les couilles là, vraiment, putain. Bon, heureusement que je monte en division 10, parce que là... C'est catastrophique le bilan, franchement, le bilan. Waouh. Toujours, il fait 5 matchs sans victoire. Les 5 derniers matchs sans victoire. Pff, ça fout bien la rage quand même. Mais bon, ouais, ce qui compte, c'est la division 10. Et j'espère qu'en division 10, ce sera pas comme ça. Voilà, ce qui compte, c'est la division 10. Du coup, faut que j'atteigne à 600 pour être en match 1. Et 1000 points pour que je sois en division 9. Voilà. Et puis du coup, bah, on se retrouvera pour l'épisode 6 en division 10. Et puis voilà, j'ai tout dit. Encore une fois, désolé de vous décevoir à propos de mon rage quit et de vous perdre. Donc voilà. Eh bien, mes chers Monégascous, j'espère que la vidéo vous plaira malgré tout. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Monégascous, ainsi qu'à vous abonner
à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et aussi à me follow sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Et bien, Michel Moudigascu, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, Edagé, Mounigou.